Cela fait déjà plusieurs jours, plusieurs semaines, voire plusieurs mois que vous essayez de changer votre quotidien, voire changer de vie. Et vous n'y arrivez pas. Pourquoi ? Voici peut-être une des raisons pour lesquelles vous n'y arrivez pas. Cette raison s'appelle la réactance. Il y a deux positions, deux situations. La première, vous essayez de faire un changement. Vous l'expliquez à un ami ou une connaissance. Cette personne aura un phénomène, une réaction de réactance. C'est-à-dire qu'en ayant une discussion avec vous, elle va finalement trouver tous les arguments et contre-arguments qui vont annuler vos prises de décision. Deuxièmement, vous avez une réactance interne. Ça, ce sont les habitudes. Certaines personnes, pour se mettre au sport, le soir avant de se coucher, posent leurs affaires à côté de leur lit, de manière à ce que quand ils se lèvent, ils aient directement leurs affaires pour partir directement, courir ou faire du sport. Ce système qui permet de rompre les habitudes, c'est le système qui permet de contrarier la réactance interne. Dit autrement, si vous arrivez à rompre avec ces habitudes néfastes, vous courez tout droit vers la réussite de vos changements.